La cargaison, où est-elle? Elle est déjà en route. Merveilleux. Qu'en est-il des appareils? Tout est réglé. J'ai trouvé l'équipage idéal. Quel dommage de gâcher ce pouvoir sur des incapables. Et quand tout sera terminé, nous rendrons service au monde en effaçant ce district de la carte. Hein? Joli jouet. Regardez le mien. Garde! Quel dommage de gâcher ce pouvoir sur des incapables. Et oui, ça y est, coucou. Nouvelle extension, et comme vous avez pu le voir dans le trailer, Rek'Sai, Echo et Pike sont les nouveaux champions de l'extension. On a les cartes qui commencent à être révélées à partir d'aujourd'hui, et on en a 4 qui sont sorties, on va les voir ensemble. On a une carte Piltover, enfin c'est plutôt 3 cartes en fait, hein, une carte Piltover, une carte Shurima et une carte Bijouateur avec une nouvelle capacité. On a le Félin Déchu tout d'abord, qui est de 1 pour 1 de la région Piltover. Et quand il est invoqué, il crée un cristal d'Exit dans les 10 dernières cartes du deck. Et le cristal d'Exit, qu'est-ce que ça fait? Quand vous me voyez dans une prédiction, donc directement on doit marier le Félin à Shurima pour pouvoir prédire, et bien on le pioche, donc c'est déjà pas mal. Quand on prédit, on pioche, et vous allez voir que pour 2 mana, ça fait le café, ça inflige 2 points de dégâts à toutes les unités ennemies et au Nexus ennemi. Donc c'est un espèce de ravin Freyord, sauf qu'on le fait que sur l'adversaire, seulement pour 2 mana et en rapide. Donc, fort. J'aime beaucoup cette carte. Et s'il y a un archétype intéressant, Piltover Shurima, ça y sera forcément. Ensuite, on a l'essaim de Gueule d'Acier et le jeune Xerxai, qui sont des rôdeurs. C'est une nouvelle capacité, on va le voir juste après, qu'est-ce que ça fait. Là, en l'occurrence, ce sont des petites unités, hein, 1 pour 1 redoutable, 0-2 pour 2, sans mots-clés. Par contre, immédiat, je lance une attaque gratuite, on va voir ce que ça fait maintenant, le rôdeur. Le nouveau mot-clé, c'est rôdeur. Si vous attaquez alors que je suis au sommet de votre deck, je rôde. Ce qui octroie plus 1 plus 0 à tous les rôdeurs alliés, où qu'ils soient, une fois maximum par round. Donc où qu'il soit, c'est dans votre main, dans votre deck, en jeu ou pas encore créé. Justement, s'il y a des cartes qui créent des rôdeurs, ben, ils gagneront ce bonus. Donc dès que vous attaquez à chaque tour, si vous avez un rôdeur au-dessus du deck, le bonus s'applique tout simplement. Donc c'est ce qui va venir booster les 2 cartes rôdeurs révélées. Et c'est ce qui rend la 0-2 un peu plus forte. Hein. Elle va se booster grâce à cette capacité. Et le jeune Xerxai aussi. Donc bien évidemment, on pourra imaginer un deck avec d'autres cartes rôdeurs pour alimenter l'archétype. On verra dans les prochains jours ce qui est révélé, mais on peut déjà se dire que Pike, vu que c'est un assassin, et Rek'Sai qui est enfoui dans le sable, pourrait avoir ce tag aussi, ou pourrait apporter des améliorations aux rôdeurs. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ces nouvelles cartes en commentaire, et qu'est-ce que vous aimeriez que les nouveaux champions fassent. Et puis on se retrouve demain pour les nouvelles révélations. Passez une bonne soirée. Ciao.